Il existe une grande différence entre faire l'amour et avoir des relations sexuelles. L'amour est un acte de partage, d'osmose, de tendresse et de sensualité. Ce n'est pas simplement une expérience instinctive dans le seul but d'assouvir un besoin primaire. L'amour est bien plus que cela. C'est la fusion de deux corps connectés pour n'en faire qu'un et la communion de deux êtres pour se dire « je t'aime » de la plus belle façon qu'il soit. Faire l'amour est un acte. Il est donc important de faire la différence entre faire l'amour et avoir des relations sexuelles machinales. Le vécu est différent. Les émotions sont différentes et le plaisir est différent. L'amour, le désir de l'autre, le besoin de se fondre avec lui et l'intimité que cela crée renforcent la relation. A contrario, avoir des relations sexuelles en l'absence de sentiments n'est pas forcément très constructeur et se traduit généralement par une insatisfaction au sein du couple. La combinaison des deux étant la clé pour une relation de couple saine et durable. Je vous éclaire sur la différence entre les deux. Alors, restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner et on commence. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Il est vrai que le sexe est une expérience des plus agréables. Néanmoins, lorsque vous avez des relations sexuelles dans le seul but d'assouvir un désir, la perception des choses est totalement différente. A contrario, lorsque vous faites l'amour, vous êtes surtout motivé par l'expression de vos sentiments envers votre partenaire. À ce moment-là, c'est tout votre corps qui exprime le lien émotionnel que vous partagez avec lui. Aussi, quand vous faites l'amour, l'orgasme n'est pas forcément l'objectif. Il s'agit surtout d'approfondir votre connexion et d'explorer le corps, l'esprit et le cœur de l'autre. Lorsque vous faites réellement l'amour, ce n'est pas juste la motivation qui est différente, c'est aussi et surtout la communication qui diffère. La communication pendant et après vos ébats ne sera pas la même. Lorsque vous faites l'amour, vous exprimez vos sentiments sans retenue par des mots tendres et affectueux. En outre, une relation sexuelle sans émotion sera peut-être agréable, mais une fois terminée, vous n'aurez plus rien à partager avec l'autre. Il peut vous arriver de partager des moments de tendresse, même avec un partenaire exclusivement sexuel. Néanmoins, cette affection a beaucoup plus de sens lorsque vous faites l'amour. Vous êtes vulnérable et complètement libéré de toutes vos barrières émotionnelles. Vous découvrez son corps avec tendresse et avez besoin que la passion se mêle à la douceur. L'amour est dès lors ressenti de façon amplifiée et l'alchimie sexuelle n'en est que plus intense. Lorsque vous avez des relations sexuelles, vous avez tendance à vous transformer en quelqu'un d'autre. Vous oubliez totalement vos inhibitions et avez tellement besoin d'être dans la performance que vous avez tendance à endosser un rôle de déesse du sexe qui ne vous convient pas forcément. Tandis que lorsque vous faites l'amour, vous n'avez pas besoin de faire semblant, vous n'êtes personne d'autre que vous, vrai et authentique. Qui d'entre vous n'a jamais fantasmé sur quelqu'un d'autre pendant un rapport sexuel? Cela est tout à fait normal.
Lorsque vous n'êtes pas connecté à votre partenaire et que votre relation est purement sexuelle, votre esprit peut rapidement perdre le fil. En revanche, lorsque vous faites l'amour, vous êtes pleinement conscient de chaque instant. Vous êtes avec votre partenaire, corps et âme, et n'avez envie d'être nulle part ailleurs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à laisser un pouce bleu. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!